Mais non, ça y est, on pourra zoomer sur les cartes. C'est bien ça. Les cartes au trésor, on pourra zoomer et aller de gauche à droite, j'ai l'impression. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la saison 7 de Sea of Thieves. Une nouvelle vidéo news de Sea of Thieves a été partagée par Sea of Thieves hier. On a vu ça en live d'ailleurs, on a découvert ça en live hier, donc merci à tous d'avoir été présents. Donc si vous voulez vivre ce genre de moment, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitch. Je vous mets donc le lien sur la vidéo et bien sûr il est toujours en description, donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça peut être très sympa. Et donc on a appris quelques petites informations, hein. On n'a pas appris des grandes choses, mais ça fait quand même plaisir d'avoir des nouvelles de la saison 7 qui approche, puisque dans une semaine, même un peu moins, puisqu'on est vendredi maintenant, eh bien le 4 août, jeudi 4 août 2022, nous allons enfin avoir la saison 7 à portée de main. Ça avait été repoussé, je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je vous la mets en haut à droite, et vous savez que cette nouvelle saison, la saison 7, va apporter ce nouveau bâtiment qui va donc nous permettre de vendre tout au même endroit, donc c'est vraiment super intéressant. C'est une construction d'ailleurs qui avance avec le temps au fur et à mesure des mises à jour sur ce bâtiment, donc c'est très intéressant à suivre. Et je vous mets en haut à droite du coup la playlist de la construction de ce bâtiment. On avait vu un tout premier aperçu d'ailleurs de ce bâtiment dans une vidéo, puis au fur et à mesure des mises à jour, on avait vu que ce bâtiment, eh bien, il était construit de plus en plus, et on se demandait vraiment ce qui allait se passer. On savait qu'il allait avoir un nouveau bâtiment, mais on ne savait pas ce que c'était. Maintenant on le sait, il s'agira du bâtiment des souverains. Alors si c'est bien traduit, hein, en anglais c'est Sovereigns, comme on a pu le voir donc dans cette nouvelle vidéo avec des nouvelles images. Donc ce bâtiment nous permettra de vendre absolument tous les loots au même endroit, à la même personne. Et on a un premier visuel d'ailleurs sur le PNJ de ce bâtiment, qui sera peut-être, comme je vous l'avais dit dans cette vidéo que je vous mets en haut à droite, une nouvelle faction, espérons. Est-ce que nous aurons une nouvelle faction, les souverains? J'ai bien, j'espère vraiment, puisque ce serait vraiment bien pour les joueurs qui jouent au jeu depuis 2018 et qui sont, eh bien, réputation maximum sur toutes les factions en fait, et qui ont tout obtenu dans le jeu. Ça nous permettrait d'avoir une nouvelle faction qui serait potentiellement montable jusqu'au niveau 75 au niveau de la réputation. Et donc ce serait vraiment intéressant pour les joueurs, mais on en reparlera probablement dès que, eh bien, ce sera officiel. Pour le moment c'est juste des spéculations de ma part. Donc on verra bien. Donc au niveau des news qu'on a eu dans cette vidéo, on a eu quelque chose de très attendu je pense par les joueurs. On pourra enfin zoomer sur les cartes. Oui, vous ne rêvez pas, c'est enfin possible et ce n'était toujours pas possible d'ailleurs jusque là. Nous sommes en 2022, le jeu est sorti depuis 2018 et je sais, vous comme moi, qu'on a tous galéré à trouver des trésors avec des cartes. Vous savez, où vous aviez une énorme croix rouge sur une petite île, ou pire, sur une grosse île avec plein d'éléments, et c'était très dur de trouver votre trésor avec cette croix rouge qu'on ne pouvait pas zoomer. Et bien maintenant, sur les cartes, grâce à cette mise à jour, grâce à la saison 7, nous pourrons enfin zoomer sur les cartes, sur les livres de quête, sur les notes, tout simplement pour avoir plus de précision, pour nous donner plus d'indices pour savoir où est précisément la croix où il faut du coup creuser sur une île pour récupérer un trésor. Et ça, c'est vraiment une petite fonctionnalité qui est ajoutée, mais vraiment c'est une fonctionnalité tellement appréciée qui va nous faire gagner un temps monstrueux pour la recherche de trésors. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc c'est un tout petit truc, c'est vrai, mais ils l'ont dit hein, dans la vidéo, qu'ils allaient montrer des petites fonctionnalités, parce qu'on ne sait encore rien de la saison 7. Ils nous ont annoncé que la saison 7, il y aurait énormément de choses à découvrir, on a vraiment hâte. Et donc ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo on apprend que le 1er août, donc lundi prochain là, on saura absolument tout. Tout sur la saison 7, et bien sûr je vous ferai un récap de tout ça, on vivra peut-être ça en live aussi d'ailleurs, donc n'hésitez pas encore une fois à rejoindre mon Twitch. Et donc on en pourra zoomer sur ces cartes, et ça fait vraiment plaisir. Et d'autres choses ont été montrées aussi lors de cette vidéo, par rapport aux tabourets. Alors vous allez me dire, ok Monkey, les tabourets, qu'est-ce qu'on fait avec des tabourets? Et bien jusque là on pouvait pas faire grand chose à part s'asseoir sur un tabouret, mais les tabourets étaient fixes. Bonne nouvelle! Ou je sais pas, hein, moi ça me... je m'en fiche un petit peu, mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On pourra prendre les tabourets, ce sera un loot en fait finalement. Vous pourrez donc récupérer le tabouret pour le poser où vous voulez. Alors bien sûr, quand vous aurez un tabouret dans les mains, je pense que vous ne pourrez pas courir, au même titre qu'un loot que vous aurez dans les mains. Et lorsque vous aurez ce tabouret, vous pourrez le poser absolument partout sur Sea of Thieves, sur votre navire peut-être même, sur les îles, sur des montagnes, sur les pontons. On pourra les mettre absolument partout pour tout simplement s'asseoir.
Voilà, alors c'est déjà possible hein, de s'asseoir dans le jeu, même un peu plus depuis la saison 5 si je me trompe pas. Mais voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée, on pourra enfin prendre des tabourets. Je vous avoue que c'est pas une fonctionnalité que j'attendais, vous me direz dans les commentaires si vous c'était votre cas. Mais ce sera possible pour profiter donc de meilleurs paysages etc. Je vous avoue que les tabourets moi même si on peut les prendre etc. je le ferai peut-être une ou deux fois. Mais si on peut vraiment rien faire à part juste s'asseoir. Parce que moi j'aimerais bien, à la limite, prendre un tabouret, me mettre au bord d'un ponton et pêcher sur le tabouret. Mais je pense que ce sera pas possible, puisque, vous le savez, on ne peut pas faire d'emote, on ne peut rien faire lorsqu'on est assis. Donc ça m'étonnerait que Sea of Thieves rajoute du coup la possibilité de faire des choses quand on est assis sur cette saison 7. Mais peut-être, hein, sait-on jamais, nous verrons bien, mais en tout cas, nous n'avons rien vu dans ce trailer. Donc voilà les deux nouveautés qui ont été montrées pour cette saison 7, donc il y aura d'autres choses hein, bien sûr, mais là pour le moment comme ils l'ont dit c'était des petites fonctionnalités qu'ils voulaient nous montrer, donc c'est des trucs appréciables. D'ailleurs par rapport à ce tabouret, vous pourrez les trouver absolument partout sur les îles Sea of Thieves, que vous pourrez donc récupérer, mettre sur votre navire et les transporter là où vous souhaitez pour vous asseoir, sachant que vous aurez deux actions à faire avec ces tabourets. Il y aura deux boutons qui vont apparaître quand vous regarderez un tabouret désormais, et plus qu'un. Vous pourrez donc soit vous asseoir, soit porter le tabouret et le poser où vous voulez. Donc voilà, c'est intéressant, mais sans plus, j'ai envie de vous dire. Donc rendez-vous le 1er août pour tout savoir sur la saison 7. J'ai tellement, tellement, tellement hâte. Et on peut donc regarder cette image sur eh bien, le PNJ des souverains. Donc, je suis désolé, je vais appeler souverain jusqu'à ce qu'on ait le nom officiel. Pour le moment, c'est comme ça que je les appelle. Je trouve que c'est un nom qui leur va très bien. Et d'ailleurs, on a eh bien, cette image, vous voyez. Donc la plaque nominative, alors ils mettent bien ça en avant, vous le savez dans la saison 7, on pourra enfin nommer nos navires, notamment grâce à ce nouveau bâtiment, et donc forcément ils ont rajouté une plaque nominative Sovereigns en anglais, qui donc veut dire normalement souverain. Il y a plusieurs traductions possibles, vous m'en avez parlé en commentaire déjà, on verra bien le nom final lorsque ce sera officiel. Et donc, on a donc un nouveau visuel sur ce bâtiment, et surtout, on a un visuel complet cette fois sur le PNJ qui sera à l'intérieur de ce nouveau bâtiment. Et pour le coup, mais ça fait très aristocrate, je trouve, voire très français. Vous savez, avec les perruques, etc. Limite, elle aurait du maquillage avec, vous savez, le maquillage blanc et des mouches noires sur le visage, que, eh bien, ça fait vraiment penser à ça. Vraiment, donc je sais pas si c'est voulu. Mais du coup, c'est un style très différent des autres, donc c'est intéressant à voir. Et pour moi, ouais, ça fait très aristocrate, très français des anciens temps, avec les rois, etc. Vous savez, avec les bourgeois, les magistrats, etc. Donc, à voir. Mais, donc, est-ce que ce sera une nouvelle faction? Eh bien ça on le sait pas encore, ce qu'on sait en tout cas c'est qu'à cette personne là on pourra vendre directement tous les loot, et donc ça c'est super intéressant pour tous ceux eh bien, qui vendent donc encore sur les avant-postes aux différentes factions. Ça nous prend un temps monstre à chaque fois, on perd facilement 30 à 40 minutes, hein, on va pas se mentir, pour vendre les loot. C'est vrai que quand vous vendez aux Reapers c'est beaucoup plus rapide, et en fait là vous allez pouvoir faire la même chose qu'avec les Reapers, vendre à une seule et même personne tout le loot, mais auprès des souverains. Reste à savoir ce qui se passera au niveau donc de la réputation, parce que l'or, quoi qu'il arrive, vous allez toucher le même or si vous vendez votre coffre, mais qu'en advient-il de la réputation? Est-ce que lorsque je vais vendre un coffre, ça va me donner de la réputation par rapport au collectionneur d'or, ou alors je vais avoir une réputation précise pour les souverains? Eh bien nous verrons ça dans les prochains jours, en tout cas je vous en ai déjà parlé, et donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y aura aussi de nouveaux objets qui sont mis en vente sur la boutique de Rare, donc des objets réels, avec une nouvelle collection de suites à capuche, de t-shirts, de sweatshirts, qui sont liés aux aventures et aussi à la légende du voile apparemment. Donc c'est rigolo, donc si jamais vous voulez craquer pour des vêtements Sea of Thieves, eh bien rendez-vous sur ce site, je vous le mets dans la vidéo et bien sûr dans la description. Et il y a un truc qui m'attire un petit peu plus, moi personnellement, parce que les habits j'en ai déjà beaucoup, c'est les figurines U2s. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces figurines, donc c'est des figurines Sea of Thieves. Et les voici, donc il y a un mégalodon, un gold order, enfin le gold order, Briggsy et un vaisseau fantôme. Et donc tout ça c'est aussi disponible sur la boutique, c'est une exclusivité d'ailleurs sur Rare. Donc si vous avez envie de craquer, eh bien rendez-vous sur Rare Store pour du coup acheter ces petites figurines qui sont très sympas je trouve. Et enfin ils ont parlé de l'aventure 6, l'aventure Hunter's Cry, donc le cri du chasseur où nous pensons que nous allons devoir sauver Merrick, et pour le coup ils ont confirmé qu'on ira bien au-delà du voile, donc dans la mer des damnés pour sauver Merrick. Mais c'est tout, on n'a pas plus d'infos, mais il y en aura de nouvelles très bientôt comme ils l'ont dit, donc près de la sortie de cette aventure 6 qui arrive, je vous le rappelle, le 18 août 2022.
jusqu'au 1er septembre 2022. Donc encore 2 semaines de délai pour faire cette aventure 6, donc il faudra vraiment foncer dessus lorsque ce sera disponible. Donc rendez-vous dans 3 semaines pour profiter de cette aventure 6, il n'y a toujours pas d'image vraiment liée à cette aventure 6, c'est encore une image de l'ancienne saison on va dire. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire au niveau de cette vidéo qui a été publiée hier par Sea of Thieves, qu'on a pu vivre ensemble d'ailleurs lors de mon live, donc merci à tous d'avoir été présents. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, le like, le commentaire, le partage, c'est super important, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube MonkeyGV et de bien cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et moi je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous, salut à tous !